L'entreprise s'appelle l'épicerie aubinoise parce qu'on habite Aubigny-lès-Clouzot. Nous sommes deux créateurs, Pascal Cossard, qui est la présidente, et Stéphane Cossard, moi-même, qui est le directeur. Donc, elle a été créée le 23 mai. Non. Le 16 mai 2022, et on est implanté à Aubigny-lès-Clouzot dans l'île au commerce. On fait de la supérette avec on fait surtout un gros rayon poissonnerie, fromagerie à la coupe et fruits, légumes frais. Nous, on veut toujours mettre en avant les produits frais et les producteurs locaux. On a toute notre tête de gondole où ce sont les producteurs locaux qui sont mis en avant. Bah, l'idée d'être accompagné, c'était d'avoir un deuxième regard sur notre activité en termes de commercial, en termes de gestion, comptabilité. L'idée était de pouvoir avoir un contradictoire sur comment l'entreprise évoluait et comment nous on la gérait. On s'est dirigé vers, en premier lieu, le Cerf France, car avec eux, on a monté tout le bilan provisionnel, ce qui nous a permis de faire un dossier à qui on a présenté à la banque, à Orion, notre bailleur, à Initiative Vendée, et à France Active pour le prêt bancaire. Accompagnement, on a eu le prêt à taux zéro d'Initiative Vendée. France Active, au niveau de la garantie, une partie de la garantie bancaire pour le Crédit Agricole. Et le CER qui nous a fait un bilan provisionnel, entre guillemets, gratuitement, sans nous demander d'être clients après. Le meilleur conseil, c'est d'être convaincu et être à l'aise avec son projet du début jusqu'à la fin, de pouvoir se remettre en question à chaque instant,